Faut-il dormir plus ou moins pour être plus efficace et plus performant? Avoir un nombre inadéquat d'heures de sommeil peut affecter votre santé et vos performances scolaires. Beaucoup d'élèves n'accordent pas assez d'importance au sommeil alors que ce dernier, aussi bien que la nutrition et les exercices physiques, est un élément essentiel pour être en bonne santé. Il n'est pas bon d'habituer son organisme à fonctionner sous moins d'heures de sommeil que recommandé, car un manque chronique de sommeil vous expose aux risques tels que le stress, la dépression, mais également les maladies telles que le diabète de type 2, une pression sanguine élevée et même les pertes de mémoire. Bien dormir est fondamental pour les études et le bon fonctionnement de la mémoire. Les élèves et étudiants n'ayant pas assez de sommeil retiennent moins et sont peu concentrés. Vos performances commencent d'ailleurs à diminuer après 15 à 16 heures continues d'éveil. La science montre que pour mieux exploiter votre cerveau et être plus efficace, il est préférable d'accorder la priorité au jour plutôt qu'à la nuit quand vient le moment d'étudier, ce qui implique une bonne nuit de sommeil. Voici quelques astuces qui vous aideront à avoir un sommeil reposant. 1. Mangez léger en soirée. Un repas lourd vous gardera éveillé. Toutefois, évitez d'aller au lit affamé. 2. Évitez absolument l'alcool, la cigarette et la caféine au moins 3 heures avant de dormir. La caféine qu'on trouve dans le café, le thé, la cola et le chocolaté est un stimulant qui vous empêchera de bien dormir. La cigarette aussi est un stimulant qui amène le fumeur à se lever plusieurs fois dans la nuit à cause des réactions causées par la nicotine. 3. Relaxez-vous avant de vous coucher. 4. Éteignez tous les appareils électroniques 30 minutes avant d'aller au lit, car la lumière émise par les voyants des téléviseurs, ordinateurs, smartphones et tablettes perturbe le sommeil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ces astuces vous aideront à améliorer vos performances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour en recevoir davantage.